Rouge FM, le défi du vendredi. Rappelons le principe du défi, c'est quand même réaliser quelque chose d'incroyable, quelque chose que le commun des mortels ne peut pas faire et que faut performer. Nous réalisons en direct. On est d'accord qu'au bout d'un moment, faut performer, faut vraiment réussir à faire quelque chose qu'on fait pas forcément tous les jours non plus. Bon, à part ça, vraiment, pour Quentin, notre journaliste, on le rappelle, qui est parti du studio, déjà, enfiler un costume d'Halloween, c'est pas forcément le truc le plus évident non plus. Et puis d'aller dans la rue se balader comme ça, c'est pas simple. Mais en plus, aller embêter les confiseries. Filmé par le clown de Hit, quand même. Ouais, non, mais c'est surtout le clown qui fait flipper, je pense, dans la rue. Parce que Quentin, il reste beau. T'as beau essayer de l'amocher. Puis, comme un beau mec, c'est vrai que Steph fait flipper déjà à la base. Alors, Stéphane, il fait flipper, mais grave. Moi, franchement, même dans le studio, il me faisait peur, le mec, Il est grand en plus. Est-ce qu'on a les deux fous furieux en ligne, Quentin, tu es là? Les deux fous. Ouais, je suis là. Par contre, on va pas traîner parce que depuis tout à l'heure, on attend au coin d'une rue, juste devant une banque. Allez, Mongol. Alors, ne vous trompez pas. Allez, gros débile. C'est la confiserie. Il y a un monsieur en costume qui est déjà sorti 2-3 fois, il a une oreillette dans l'oreille, donc bon, on va peut-être vite fait vers... Il est aussi costumé, les gars, c'est bien. Confiserie du théâtre, vous êtes prêts? On donne le top, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, hop. Alors, on y va, hop. Pardon, madame. Hop là, excusez-moi, je suis dans la rue. Oui. Alors, on arrive devant. Ah là, parce que en fait, Stéphane faisait le gay au coin, il était très discret. Ah ouais, comme ça. T'es con. Il secouait un peu la main en l'air en faisant coucou. Mais ça, il n'y a personne dans le commerce puisque le monsieur était dans la rue en train de remettre les journaux. Eh ben vas-y là. Le chemin est ouvert là, vas-y direct. C'est un banana braquage, je veux tous les bonbons de la boutique. Regardez, j'ai un chapeau, vous remplissez. Attention, j'ai un chapeau. J'ai un chapeau, vous mettez tous les bonbons que vous avez ici dedans. Je me sers? Oui. Allez, il m'a dit que je me servais. Qu'est-ce que vous préférez Prends tout. Prends des manteaux. Ah, mais on est encore en train de repartir dans le truc. Non, mais servez-vous. Voilà, ça fera 24,80 francs, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, regardez. 200 grammes de. Ah, non, mais attends, ils se débrouillent bien là, ils disent rien, les gens. Ils se débrouillent. Bon, bah. Mais barrez-vous. C'est bon. Hop, mais courez, vous courez. Vous sortez, vous courez. Mais vous repassez pas dans la banque. Bien compris, monsieur. Ah, attention, allez. Il y a une autre boulangerie, on va tenter le double. Allez hop, la boulangerie. Ah, le mec, le double rap en l'air. Voilà, c'est un braquage. Remplissez le chapeau. Allez, tous les bonbons dans le chapeau. Allez, hop, on se dépêche. Elle a vidé tout son panier. Super, hop. Allez, cours. En fait, il kiffe, le gars. Poussez-vous. C'est bon. Ah, mais tu sais. Oh, punaise. Allez, j'ai un stock de fou là. Ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un stock de fou. Bah voilà, j'ai mon chapeau, il est rempli, je peux plus en faire là. Tu t'es fait taper ou pas? Non, attends, tu plaisantes. T'as rempli le haut de forme de bon bac? Exactement. Elle avait prévu un petit panier, je pense, pour les jeunes d'Halloween. Ben, ils en auront pas. Non, mais avoue, t'as triché. Je suis sûr, il a triché. Je suis sûr qu'il a dit bonjour, c'est bon, j'ai fait. Il a pas fait le gay. Il est allé voir les gens avant. Là, je suis pas allé voir les gens avant. Pas triché. Je suis pas sûr qu'il ait bien compris que j'allais vraiment partir avec les bonbons, mais. Ah merde. Il s'est bien rattrapé, Quentin. Je propose qu'on l'applaudisse. C'est un peu immoral, ce défi. Retourne quand même le voir à la limite après pour éviter d'aller en prison. C'est ça, puis on va quand même aller s'excuser parce que c'est pas très moral finalement d'aller voir. Donc en fait, vous m'en voulez parce que je suis passé agressif et maintenant faut que j'aille rendre les bonbons. Non, les bonbons, tu les ramènes. Rouge FM.